J'ai été au U-Express et je n'ai pas trouvé un beurre végétal bio. Du coup, j'ai quand même réussi à trouver cette marque qui est vegan. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Je suis passée à Bio C'est Bon et j'ai pris pour manger la filet de tofu à la japonaise, j'adore faire ça en ce moment. J'ai pris soja mi aïe fines herbes parce que je vais faire griller des tartines de pain. J'ai pris un pain comme ça, un pain complet au pain tournesol est là. Hop, que j'ai payé 1,90€. Une mangue que je vais prendre pour avant en fait, parce qu'il faut manger toujours les fruits avant ou pour le dessert. Et j'ai pris, j'ai voulu tester. J'ai vu ça, ça m'a l'air super bon. C'est avoine chocolat. Avec ça, je vais me faire l'avocat. Des petits radis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et une tomate. Alors voici mon repas de ce midi. Donc il y a la petite salade. Donc j'ai mis le reste de riz, le tofu, la moitié du tofu à la japonaise, de l'avocat, des tomates et du chou rouge. Là j'ai un peu de moutarde de Dijon, mais je sais pas quoi en faire en fait. Et j'ai fait ma tartine de pain grillée avec le soja mi. Et là, c'est le petit yaourt dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense qu'il est très bon. J'ai encore une tartine qui grille. Voilà. Alors je valide, je trouve ça bon, j'ai tout fini. Donc c'est un peu cher, hein. Ça coûte presque 3€ les deux pots, mais c'est bio, c'est vegan, c'est, le packaging est biodégradable, c'est des petits pots en verre qu'on va pouvoir réutiliser, donc je valide. C'est doux, ça a un petit goût très doux, ça a pas, c'est pas trop fort en chocolat, ça n'a pas un goût trop amer. Et puis voilà, bon, moi je valide à 100%, j'en prendrai pas tout le temps à cause du prix, presque 3€ les deux, mais bonne petite expérience. Donc je vais faire du ravioli vietnamien aux légumes, j'ai pris chez Picard, j'ai pris une batavia. On va tester, enfin j'avais déjà goûté. Mais là je l'ai pris, du coup c'est le faux gras de Jay & Joy qu'on va mettre. Et là j'ai pris une baguette classique à Naturalia, une baguette de pain. Alors, si c'est bon ou pas? Très bon.